Bonjour à toutes et à tous, c'est BX Akid, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Robocraft. Eh bien oui, je vous avais fait raconte-nous un T3 la dernière fois, et bien aujourd'hui c'est raconte-nous un T4 et un T4 qui vole. Ouais, attendez, ouais, je sais, ça fait bizarre sortant de ma bouche, mais promis juré, regardez, il vole, il a des petites, ici, des petites, blades. J'appelle ça des blades, mais voilà, c'est tout. J'ai voulu mes directeurs, mais si je fais ça, je passe direct T5, et T5, là, je me fais allumer. Donc, toujours un SMG, donc de la mitraillette, qui est donc en mode volant, entre guillemets, deux paires de machins, des petites électroplates, tout ça. Enfin, c'est beau, c'est mignon, on va voir ce que ça donne. On va voir. Alors, c'est parti, appuyons sur E, faisons... Alors, je sais pas lequel est le mieux, franchement... Est-ce qu'on faut... Bon, on va faire ça. Techniquement, je dis bien techniquement, j'ai coupé sa voix. Je devrais avoir coupé la voix de la dame. À voir. Alors, c'est quoi le tir où il y a le plus de monde en ce moment? Bon, après, on est encore le matin, puisque je regarde toujours le matin. C'est T1 où il y a le plus de monde, je crois. Oui, c'est T1 où il y a le plus de monde. C'est marrant que ce soit T1. Enfin, c'est marrant, oui et non, puisque c'est le tir de base, donc ça semble aussi normal qu'il y ait autant de monde. On a 3 challengers, est-ce qu'on aurait un 4e challenger, qui nous enverrait en challenge, justement? Peut-être bien. Peut-être bien. On va voir. D'accord. Les gens qui parlent dans le chat, toujours aussi intéressant. Je reprends quand ça démarre, hein. À tout de suite. Eh bien c'est parti, c'est donc pas un challenge. Merde, j'ai toujours appelé mon vaisseau T3 YouTube. Merde, ça aurait dû être T4 YouTube. Oh, le boulet. Le boulet, il a oublié de renommer. Zut. C'est pas grave. Ça flex. Donc mon vaisseau est là. La base est là. Les copilotes sont là. Enfin les copilotes, non, c'est pas des copilotes, c'est les copains. Alors... J'allais dire on est que 5v5, mais non, en fait c'est parce que les autres n'ont pas encore là. Bon, alors du coup le vaisseau est un petit peu lent. Ça a fait bip, mais ça n'a pas il n'y a pas eu sa voix, donc c'est bon. C'est quoi ça? Pourquoi c'est violet les points? Parce qu'ils appartiennent à personne peut-être. Oula, 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 oula. On est à l'envers. On est à l'envers. On est à l'envers. On est à l'envers, les mecs, c'est le bordel. Le BX, il conduit trop bien. Ouais, on saute par là. Ouais, t'as raison, on saute. Est-ce que je peux pas me réaligner, sérieusement? Ah bah non, vraiment pas. Alors, je dois avouer que j'ai aucune idée de comment m'en mettre droit. Ouais, c'est pas dramatique, hein, parce que même si je suis à l'envers, je pilote encore dans le bon sens. C'est bon, il est à nous. Oula, 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 par contre, je tourne un peu sur moi-même. C'est vraiment pas facile à piloter, ces trucs-là. En fait, le truc, c'est que tant que vous êtes dans des tirs pas trop hauts, les options de pilote sont pas encore génialissimes. Enfin, je veux dire, les trucs qui vous permettent de se déplacer, il vient de se faire OS par l'air. Le truc c'est que là j'ai aucune défense, enfin j'ai aucune attaque anti-air de dispo vu que je suis à l'envers. Oui, je l'ai eu. Nickel. C'est beau ça, c'est beau. C'est ce qu'on veut. C'est ça qu'on veut, c'est ça qui est bon. Yes!
Ça déconne plus là avec les copains là. Bon, par contre, lui il va me faire chier. Il y a le bouclier qui protège en fait. Aïe, 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 limite, on va aller se faire défoncer. Voilà, comme ça on va pouvoir se remettre droit un peu plus tard. On va pouvoir se remettre droit. C'est un choix stratégique de mourir maintenant. Ouais, lui il a un cube quoi. Il a un cube avec des. Il a un cube avec des roues. Ouais, lui c'est un cube. Bah... Ah, c'est un cube avec 4 snipers aussi. Le truc vénère. Bon voilà, du coup j'ai récupéré mon anti-aérien qui est au-dessus. C'est vachement plus sympa. On va dézoomer un petit peu. C'est quand même mieux quand elle parle pas. Hein. Moi je dis ça. D'accord, elle donne de bonnes infos. Nous sommes d'accord carrément. C'est plus pratique quand tu joues avec. Le truc c'est que pour la vidéo c'était carrément pas possible. Alors j'ai vu plein de trucs au niveau des nouveautés. Comme quoi il y avait moyen de donner des ordres, etc. Pour se déplacer, etc. Donner des stratégies de groupe. Le truc c'est que j'ai pas encore vraiment pu y toucher à tout ça. Faudra me dire dans les commentaires comment exactement ça fonctionne. Ce serait cool. N'hésitez pas à me donner des petits conseils sur les nouvelles versions aussi. Puisque j'ai lu les patch notes, mais vous savez bien que lire un patch note ça suffit pas toujours. Et que là notamment quelques infos supplémentaires ne me feraient pas de mal. Je ne dis pas non à vos conseils. Attends, on est déjà chez eux là comme ça? Qu'est-ce qu'il fait? Il est AFK spawn lui? Bon, là j'ai perdu mes tourelles, lui il les récupère, on se tire. Je me tire. Je me tire, je me tire. Le but n'étant pas de mourir, le but étant de progresser doucement. Le but étant de gagner la game. Il me suit, hein, il me suit. On va l'emmener dans un traquenard. On va l'emmener dans un traquenard. Sauf que les potes se sont divisés, donc le traquenard est mort. Et je pilote plus très droit, il me manque une électroplate à l'avant. Ah, et j'ai été explosé. Il spawn dans 2 secondes. À l'assaut. À chaque fois, il faut avoir dézoomé. C'est pas grave ça. Sinon, je suis quand même bien stable avec 2 paires d'électroplates. Enfin, 4 paires d'électroplates. Mais je veux dire sur 2 niveaux. C'est quand même bien bien stable. C'est cool. Touché. Mais t'es qui toi à me tirer dessus là-bas là? T'existes plus mon gars. Eh oui! On va rentrer pour se régénérer, récupérer nos tourelles. Parce qu'il m'en reste plus que 2 dans l'histoire. Mais c'est comme ça qu'il faut jouer. Il faut les empêcher d'avancer et leur mettre des grosses quenelles. De type quenelle. En plus, j'ai perdu une électroplate, je crois. Non, même pas. Juste que les blocs sont plus alignés, du coup, forcément. Ça déséquilibre le vaisseau. Ça doit être le seul souci, vraiment, des vaisseaux à blade comme ça. C'est ce qui fait que c'est pas forcément pour moi. C'est qu'une fois que t'as pris un petit coup, après, t'as tendance à un petit peu vadrouiller. Parce que là, regardez, il est plutôt stable, hein. Je peux spammer les boutons, ça va. Franchement, il tourne tranquille. Le truc, c'est qu'il faut quand même faire attention quand t'as un tout petit peu, eh bien, touché. Quand t'es un tout petit peu touché pour justement eh bien te remettre dans le droit chemin, lol. Ah, notre ami a besoin de supply, je crois. Oh, oh, ce qu'il m'a mis, lui, ils étaient un peu nombreux là. Enfin, ils étaient un peu nombreux. Ces tourelles étaient un peu nombreuses. Aïe, 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 aïe. Je sais pas si je vais pouvoir m'échapper jusqu'à la maison pour éviter de mourir. Oh, oh. Oh, 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 oh. Alors là, piloter avec ça, je vous jure, c'est impossible. C'est absolument impossible. Est-ce que je peux me self-destruct? Respawn, ouais, c'est mieux de se suicider comme ça quand il faut. Quand tu es endommagé comme ça, que personne ne peut te tuer en fait. Autant faire comme ça. Alors on va se mettre un petit peu plus en rase mode histoire d'être un peu moins visible. Oula, 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 calme-toi, calme-toi.
Calme-toi, petit vaisseau. Promis, il ne t'arrivera rien. Ouais, je vais me coller au sol. T'as le mec, il a des overblades, mais il est... Ah, c'est overblade, peut-être, le vrai nom. Sûrement. Mec, il est en overblade, mais il est en rasemote parce que... Because. Je fais le ménage, j'enlève la poussière. J'enlève la poussière. Bon, alors, l'objectif, c'est quand même de tous les saccager. Donc, on va peut-être aller retirer la tour qui... Ouais, et lui, il se prend pour un... Mais, ah, me rentre pas dedans, toi! Autiste! Ah non, voilà, je me prends un coup à cause de toi. Je m'en fous, je vole toujours. La bise, je me tiens. Mon avion, si tu pouvais détruire l'autre avion, tu serais vachement aimable. Me tire pas dessus, enfoiré! Je vais juste péter ta tour. Oh. Bah, je fais de pleurer, en fait. Eh oui. Eh oui, eh oui. Mais lui, il est bourrin. Alors lui, en fait, c'est un gars qui a que des tourelles T4, mais il en a plein, en fait. C'est-à-dire qu'il a mis plein de blocs pourris. Et après, il s'est mis des... Ah, lui, il m'a fait... Je crois que le vieux... Enfin, le point d'exclamation violet, c'est un objectif du style... Hé hey, rappelez-vous qu'il y a ça à les poutrer avant d'aller chercher les gants. Enfin, les gens. Les gants. Ouais, les gants, ça flex. Oui, il y a l'objectif avant. Nous sommes d'accord. Je ne sais pas comment on fait pour répondre à ce message du style ouais, go go go. Je suis touché. Tant que je le touche et que ça l'empêche de voler, en fait, je m'en fous de le tuer, quoi. Clairement, faut juste que ça l'empêche de voler. Et donc notre copain? Il a l'air dans le caca. Ou quoi que ça a l'air d'aller... Non, il a l'air dans le caca. Tiens, je t'aide, je lui tire dans le cul. Oh putain, le sniper dans mon dos. Oh oh oh! Petit dérapage contrôlé, on explose celui-ci. Il est tenace, hein. Tiens, explose, merde, quoi. Ouais, c'est bon. Ah non, lui, je l'aime pas, lui. Je me tire. Aïe, 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 aïe. Bien oui, que voulez-vous? Il y a combien de SMG là-dessus? 5? 9? Oh, il y en a 9, les gars, quoi. Ils exagèrent, les gens. Faut vraiment aller détruire cette tourelle adverse, hein, vraiment, c'est important. Oh! Oh non, pas lui! Et merde. Ouais, mais si je me... C'est parce que j'ai eu le réflexe de monter en fait, et c'est un mauvais réflexe. Parce que mon... Oh non, mais le gars il s'appelle Rias Grimori, quoi, mais non! Mais non, please! Alors je sais pas si vous connaissez Rias Grimori. Rias Grimori 228, quoi, le gars, c'est obligé qu'on perde versus ça. Alors, pour ceux qui connaissent pas, c'est une référence à un anime japonais. On ne peut plus plantureux, si vous voyez ce que je veux dire. Ouais, en fait, je suis beaucoup trop vulnérable à partir du moment où je suis en dessous, que je suis exposé en fait par le dessous du vaisseau. Mais bon. Mais bon, un vaisseau peut pas être parfait à ce niveau-là, j'ai envie de dire. Enfin, si, si, si tu passes vraiment longtemps dessus, t'as moyen de faire un truc parfait pour ton niveau, y a pas de souci. Je me tire, 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 je suis spotted. Je suis spotted des deux côtés, c'est la guerre. L'avion m'a lâché le cul ou pas? Je sais pas. On va rentrer, on va se cacher ici. On va se mettre en rase. Pardon? Pourquoi je me suis fait one shot?
de type one shot. Je sais pas, il y a peut-être un sniper caché, je l'ai pas vu, hein, peut-être, mais j'ai pas l'impression. C'est bizarre. C'est bizarre, c'est bizarre. Ce que je lui ai mis, c'est même pas, c'était même pas drôle, quoi. Hop là. Ça va, ça flex. Bon, faudrait peut-être prendre la tour en fait. Je sais pas si je joue avec des gens qui cherchent les kills ou l'objectif. Mais vraiment, aller chercher la tour serait une bonne option là. Allez, go, là j'en ai un derrière moi. Tu me suis, on y va là? Oula, je tourne un petit peu de travers moi. Oula, calme-toi. On va se poser là, hop. Nickel, nickel le bleu avec moi. Nickel. Oh merde, pas lui! Pourquoi est-ce qu'à chaque fois que je fais un truc, il y a le commissaire qui arrive et qui m'emmerde? Voilà, je suis mort, moi, c'est fini. Il a un vaisseau bizarre, lui. Est-ce que je peux encore fuir? Pas du tout. Vas-y, éclate-moi, c'est tout. Vas-y, vas-y, finis-moi, sniper. Je préfère que ce soit toi qui mets au sniper que Rias. C'est Rias qui va m'avoir. Ah! Oui, c'est Rias qui m'a eu. Zut. Bon, on l'a bien niqué. Là, il va partir se réparer, bien évidemment. Mais on l'a bien eu. Donc son pilote est ici. Ok. Ok, je sais où est son pilote maintenant. J'essaierai de focus cet endroit en fait. Parce que là j'ai essayé de focus les tourelles. Parce que focus les tourelles, c'est une technique de base en fait pour l'empêcher d'attaquer. Le truc c'est qu'il y en a tellement 9 tourelles, c'est super long à détruire. De mon côté j'en ai 5. Ou 4. 4? J'en ai que 4. Ah oui, j'en ai retiré vraiment vénère moi. Bon, j'ai 4 tourelles. Mais voilà, il en faut plus pour pouvoir tenir en fait. Et où c'est qu'on se fait attaquer? Là, d'accord, par ce truc. Il lag ou c'est moi? Je sais pas trop. Allez coucher, chien de la casse. C'est pas moi qui l'ai eu, mais j'ai contribué. Largement. Moi qui l'ai fait toucher le sol. Bon, là on a toute la clique là, derrière moi là. Est-ce qu'on irait pas attaquer là? Allez, come on! Come on! On doit le faire, on doit les pougner. On doit leur mettre cher. De type cher à pâté. Allez, on tire là. Là, allez, 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 allez. On est bien planqué là, on les arrasse là. Je me mets bien en face. On avance, on avance, on avance, on avance. Je suis en train de me faire tirer dessus par derrière. J'ai déjà perdu des tourelles. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. On gagne des points, on gagne des points. On tabasse, on tabasse. C'est bien ça, on continue. Jusqu'à la mort, mes frères. Jusqu'à la mort, je me fais bombarder. Ah, j'ai plus de tourelles, ça y est. C'est bien, on aura bien défoncé leur... ce qu'ils avaient de chair. Alors tu sais, le gars il part trop loin, tu sais, il part en film. On a détruit tout ce que vous aviez de chair à vos yeux. Hein? Non, non, t'inquiète, t'inquiète. Allez, il spawn dans 10 secondes. Ah. Qui c'est qui a dit... Quoi? Oh merde. Qu'est-ce qu'il faisait là, lui? Putain, il a fait le taf du coup tout seul, le salon. Allez, les copains ont apparemment encore besoin d'aide. Ça a l'air de tabasser chez eux. J'arrive. Ah, ils nous ont repris une tour. C'est pas bon ça, surtout que celle-là est bien abîmée. C'est pas bon du tout. Il faudrait reprendre une tour, les copains. On va se retrouver sans bouclier, nous, vous allez voir. J'arrive pour reprendre la tour. Enfin, je leur parle, mais ils m'entendent pas en fait. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Celle-là, on la reprend là. On récupère notre tour. Hors de question qu'on laisse deux tours à l'adversaire. J'annonce cet hors de question. On ça galère dans les montées.
Notre bouclier est down. Et merde. Ça, ça pue le caca, ça. Faut vite le réactiver. BX, on compte sur toi, là. Là, on compte sur toi, BX, Akin. C'est bon. Bouclier de nouveau en ligne. Oh non, pas toi. Et voilà, il m'allume, là. Là, il m'allume. Je rentre. Je rentre, mec. Je suis trop abîmé, mon copain. Je sais bien que tu comptais sur... Oh, putain, je vais pas réussir à rentrer, tu vois. Oh, c'est tendu. Oh, c'est... Oh, le pilotage est... Je me sers du mur pour avancer, là. Ah, oh, oh, il m'a fait tirer dessus. Ah, du coup, ça m'a stabilisé. Merci, l'avion. C'est le gars, il ramasse le tir... Le... Oh, 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 oh. Le mec, il vient de lui mettre un gros tir dans la tronche, tout ça, parce que du coup, ça l'a stabilisé pour piloter. Ah, bah, pas là. Allez, mais rentre dedans, quoi, t'es sérieux? C'est bon. Vas-y, répare-toi. Va falloir reprendre la tour, hein, sinon. Moi, je dis ça, je dis rien. On a une tour à récupérer. Hein. Ah, on est parti. À l'assaut. Oh, pas toi. Toi, tu te tais. Toi, t'existes pas, toi. Avec ton vaisseau en papier mâché, là. Ah, Dixit, le mec est en train de se faire allumer. Papa mécano, il m'a allumé. Il m'a allumé. Surrender, one of your team members. Mais il est malade, lui. Il veut abandonner, mais il est complètement taré dans sa tête. Regarde la barre de vie des adversaires. Regarde notre barre de vie. On a notre bouclier. Donc, d'accord, on n'a pas le... On n'a plus tout comme avant, mais je vois pas pourquoi on abandonnerait maintenant. On peut encore le faire, les amis. On peut encore le faire. Pourquoi on prend des dégâts chez nous? Il y en a un à la maison? Non, il y a personne à la maison. Hop, je peux respawn. Yes. Allez, on va la reprendre notre tour, parce que c'est hors de question de la leur... Laissez putain là-bas. On a encore eu de la chance. En plus, c'est redésactiver notre bouclier. Ce qui était carrément hors de question. Faut vite aller reprendre une tour là. Notre tour d'ailleurs. Aïe 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 aïe, il y en a un qui vient de repasser pour le désactiver. On a plus de bouclier. Ça pue le caca. Ça pue le caca et il sent pas bon celui-là. Et c'est encore une fois sur toi qu'on compte pour réparer le bouclier. C'est pas que j'aime pas qu'on compte sur moi, hein, mais dans les MMORPG, je prends toujours classe à distance ou classe à non-responsabilité, hein, parce que souvent c'est le bordel. Non, non, mais cherche pas, je récupère le bouclier. Hein, tu peux me mitrailler autant dessus que tu veux, je le récupère, hein, rien à cirer. J'annonce, voilà la bise. Et là, vous avez les boules, là. Ah oui, 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 vous avez les boules. Ah, si on peut venir me supply, je dis pas non, ouais, comme les autres ont l'air d'arriver, là, les amis. Bon, par contre, je vais aller me réparer, là. Vous me couvrez, les mecs? Vous couvrez ma retraite, là? Oh là, oh là là. Oh oui, avec deux électroplays, ça va être... Enfin, avec deux wings, ça va être tendu de rentrer. Eh, si tu fais la montée, là, tu rentres. Si t'arrives à monter. Monte, mon gars. Monte, parce que le temps de respawn va être... Je l'emmerde. Je sais pas qui c'est, mais je l'emmerde. Cette game est tendue, parce que là, du coup, on est à midlife. Chacun. Ils ont deux tours. On est dans le caca. Et j'aime pas trop ça. Oh, puis y'a Yas Grimory qui est arrivé. Non, mais bute le. Ouais, bien joué. Bien joué, bien joué. J'ai vraiment pas assez de tourelles en fait. Je sais ce que vous allez me dire dans les commentaires. Mais que t'as pas assez de tourelles. Oui, je sais.
Un truc comme lui, ça aurait été mieux. Ah, brotata. Ouais, récupère cette tour là. Vas-y, 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 fais le taf. Fais le taf, j'arrive en supply. J'arrive. Ouais, attends, attends, je défonce ça avant parce que sinon il va faire le bordel lui là. Voilà, c'est bon. Ah non, il y en a un autre. Putain, mais arrêtez d'être chez nous, vous! Tire-toi de ma propriété! Oh, ce rect. J'arrive pour récupérer la tour, mon gars. Tu me laisses 50 secondes. Quarante petites secondes. Je te cover sur l'aérien même. Tu vois, regarde, 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 regarde. Ce talent. Je te cover sur l'aérien d'une violence. Je le touche pas, hein, mais c'est pas grave, il a peur. Par contre, le mur, c'était pas obligé. Putain, l'autre est mort du coup. Merde. BX, on compte sur toi pour reprendre l'avantage avec cette tour. Ou du moins couper de leur avantage. Nickel. Deux tours. Ça c'est propre. Me dites pas merci. C'est ton travail d'équipe. Oh putain, pas lui. Il va encore me défoncer quoi. C'est incroyable. J'ai vraiment pas assez de tourelles pour affronter ce genre de truc. J'aurais dû mettre des tourelles en dessous. Oups là, le casque qui glisse, de type glisser. Aïe 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 aïe, notre tour prend vraiment trop de dégâts. Non, ça, à mon avis, c'est perdu à cette violence-là, mais ça peut encore se tenter, hein. On peut encore tenter de les exploser, mais ça me semble bien, bien compromis, si vous voyez ce que je veux dire. Ah non, 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 on prend vraiment trop de dégâts. Je vais même pas avoir le temps de respawn, je pense. Non! À mon avis, c'est perdu tout de suite maintenant. Clairement, là, il lui suffit d'un tir sur la base, mais je ne pense qu'il ne le sait pas encore. Ouais, voilà, il l'a eu. Il l'a eu. GG, well play. Est-ce que je peux mettre un GG? GG. Non, j'ai pas pu écrire GG. Bah tant pis. Bon, 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 bon. Est-ce que c'est dans l'ordre ou pas? Ouais, ça a l'air d'être dans l'ordre. Ça a l'air d'être dans l'ordre. Au niveau du score, si on regarde. Ouais, bah du coup, je suis premier. Ouais, lol, MDR. Non, sérieusement? Ah ouais, sérieusement en plus. 11 kills, 12 def et 7 assists. 7 assists, pardon, je suis donc en ratio négatif. Je suis mort plus de fois que je n'ai tué. Si j'avais tué le petit dernier, là, on aurait perdu un petit peu plus tard et j'aurais eu un ratio positif. Peut-être. Bon, en tout cas, voilà pour cette game. La prochaine fois, on sera dans du T5. Donc, n'hésitez pas à me donner vos conseils, etc. dans la description, toujours. Ça pourrait être sympathique. Et puis, à mon avis, en T5, on pourrait faire des trucs vachement plus sympas. Regardez le Rias, la 24 kills, c'est un monstre. Un monstre. Et là, on avait sûrement l'avion que j'ai plusieurs fois croisé avec lui. 17 kills, 20 assists. Bah, putain, c'est des gens qui rigolent pas des masses, tout ça. Voilà, en tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très bientôt et. Hop, je suis à la 4.